Alors ce soir, comme prévu et comme promis depuis déjà belle lurette, ben je suis accompagnée de Two Kids on Holidays. Donc bienvenue à Two Kids on Holidays. Bonsoir. Bonsoir. À vous. Si, bonsoir. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation de Voix de Femmes. Vous avez votre envie, c'était faire de la musique, sans vraiment voir vers où ça allait aller. Mmh. Il s'avère que vous avez participé à un concours qui s'appelle Court-Circuit. Vous avez envoyé quoi, 3 morceaux plus ou moins? Oui, 3 morceaux, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et paf, vous avez été repris. Ouais. Donc Two Kids on Holiday s'est retrouvé dans le concours Court-Circuit. À notre plus grand étonnement, oui. On fait acoustique mercredi à l'Aquarium à Liège, voilà. Tu veux venir à l'Aquarium? C'est vrai. On fait une chanson comme ça pour celui qui sera là. C'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Avec toute l'équipe ici. C'est ouais. Vrai, non, ouais. Série de petites moquettes. Mercredi à 14h30. À 14h30. On fait la chanson que ta fille aime bien. Avec un ukulélé et un xylophone. Waouh, ça te fait. Super, ben voilà. Ok. Ça va comme ça? Oui. La fin, c'était quoi normalement la mélodie de la fin au clavier? Il y a 10 ans sur un autre projet qui n'avait vraiment strictement rien à voir, dans lequel Julie ne faisait même pas de clavier et ne chantait même pas en anglais. Et ça s'est bien passé, que ce soit humainement ou musicalement, ça c'était nickel. Puis le projet s'est arrêté, puis on a fait d'autres choses. Puis donc Julien a commencé un autre projet avec d'autres personnes qui s'appelaient The Wow, et moi je les ai rejoints en cours de route là-dessus. Puis ça s'est terminé il n'y a pas tellement longtemps. Mais donc voilà, ça s'est un peu mélangé. Ici, on a commencé ce projet avant même la fin d'un autre. C'était pas, y a pas de, on n'a pas arrêté certaines choses pour faire ceci, quoi. Ce serait peut-être pas mieux que je joue que ça, j'en sais rien. Ah non, moi je crois pas justement. Ouais. À la base, notre musique est définie comme de la musique pop. Après, il y a quand même beaucoup d'influences qui sont mises dedans. Moi, ce que j'avais envie aussi de faire, surtout au niveau des rythmiques, c'est des rythmiques qui transpirent un peu le zouk et de la musique un peu, tu sais, africaine avec des grosses percussions, quoi. Au-delà de ça, ce qui est assez original, c'est le fait de mêler batterie et clavier. Donc du coup, ça donne encore une dimension différente à la musique pop qu'on fait. De la composition, en général j'envoie à Gilles des idées d'accords et de suite de mélodies que je trouve sympa, et ensuite lui pose tout ce qui est la session rythmique dessus, mais on travaille surtout en parallèle, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. Dans le sens où on se voit pas forcément pour composer, parce que on fait ça chacun de notre côté, tout en évidemment en communiquant et en se demandant si la chose est bonne. On travaille plus dans ce sens là que deux, et de pas être en groupe avec plusieurs personnes, bah ça permet plus de flexibilité au niveau des horaires et de tout ce genre de choses, quoi. Donc y a pas de répétition. On va pas dire que c'est un mode de vie.
Là, on vient de sortir notre CD, quoi. Le but, c'est de le défendre un maximum en concert. Nous, notre truc, c'est pas vraiment de s'enfermer en studio et de faire plein de CD et d'arriver tu vois, à avoir un nombre d'albums indéfinissable, quoi. C'est plus le show et l'énergie. Je crois que c'est vraiment ce qui ressort quand les gens viennent nous voir. C'est waouh, quelle énergie! Alors que putain, vous êtes deux, on dirait que vous dégagez un truc pour cinq personnes, quoi. Et je crois que ouais, c'est ça, l'avenir du groupe, ça va se jouer en concert, quoi, dans les lives et tout, et pas dans le local de répète, c'est pas notre truc. Ben là, nous sommes en direction de l'aquarium de Liège pour faire un petit acoustique du morceau Left and Right dans un décor un peu enfantin, un peu enfantin, et autour de la science. Et c'est nouveau pour nous vu que c'est fort, enfin les morceaux sont remplis de claviers, de chants et de batterie, et là on n'a ni de batterie ni de clavier, donc on a décidé de le faire avec un ukulélé et un xylophone, donc comme je ne joue pas, ça va être un peu appro, tout on va se laisser aller, quoi, au jeu. That fat is on the right, I realize that mad is on the left. Fat is on the left and man's on the right. Fat is on the left and man's on the right. Fat is on the left and man's on the right. Fat is on the left and man's on the right. Anything can change this type of life, because mine's on the left and father's on the right. In Italian we still want pizzas and pastas all night long. The food was damn some and the sun was me. Lying for share, but in the end of the day, and I was little big lion, and I was